Les Brazzavillois courent un danger permanent pendant la saison des pluies. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder ces images que nous propose Aide Chèvre Diaz avec des câbles électriques à l'air libre en cette période de pluie. Suivons. L'insécurité, ce n'est pas seulement quand les armes à feu crépitent. À Batignolles, dans le 4e arrondissement Mongali, l'insécurité est quotidienne et surtout en saison de pluie. Heureusement, nous dira Giscard, qu'il ne pleut qu'à contre-goutte. Oui, Giscard habite Batignolles et il y a quelques mois, sous ses yeux, mourait ici, sur l'avenue de la base, à l'endroit baptisé Lac Bopaka, un sujet ouest-africain. L'assassin est bien une de ces niches négligées par la Société Nationale d'Électricité. Quand par exemple les pluies qui ne cessent de pleuvoir en Aronos et tout, donc toute cette partie est rarement inondée. Quand elle va, vous savez, sûrement. Et le monsieur, je pense que le monsieur passait par là, et du coup il s'était heurté, et il a touché, il a carrément touché le bon chemin de courant, et du coup, vous savez que le courant ne marche pas avec de l'eau, et donc il y a eu court-circuit, et voilà, ça l'a touché, il est mort même sur place. Le quartier s'organisera, quelques billets de banque à l'appui, et après, la SNE viendra pour trouver une solution provisoire, et même inimaginable, à tel point que ce citoyen s'interroge. Je ne sais pas, un arbre est devenu un poteau électrique. Nous ne comprenons pas quel est l'objectif des agents de la SNE. Est-ce qu'ils sont là pour vraiment la sécurité de la population ou pour tuer la population? Danger permanent s'en est réellement. Il suffit de regarder ces niches ici et là. Une espèce d'épée de Damoclès sur la tête des paisibles citoyens qui veulent bien marcher sur le chemin d'avenir. Quand il y a la pluie, je vous assure que c'est... Je ne sais pas ce qu'il faut que je vous dise, mais nous sommes vraiment, vraiment exposés vraiment quand il y a des pluies. Donc nous demandons aux autorités de penser à nous, d'arranger cette situation le plus tôt possible. Délestage, facture injustifiée, mafia, irresponsabilité, la liste des mots qui minent la SNE s'agrandira chaque jour tant que des sérieuses décisions ne seront pas prises.